formidable. Il a entendu certainement la sono qui est venue. Bonjour Denis, bonjour. Ça va bien? Très bien, très bien. Parfait, et très bien. Monsieur Denis Calois, adjoint maire, chargé au sport. Et vous avez deux adjoints aujourd'hui, vous avez de la chance. Monsieur Del Chivert, adjoint finance représentant la ville du Toupie. Bon, donc je dois excuser l'absence de monsieur Daniel Fasquer, retenu par ailleurs. Et puis, bon, ça y est, j'ai mis mes papiers quelque part. Et puis voilà. Avec tous les noms, etc. Bon, alors je passe un gros effort de mémoire. Ah ben, j'ai toute une série de petits papiers. Deux secondes, je reviens tout de suite. Ouais, c'est ça. Merci, super. Bon, je dois excuser aussi monsieur le député régional, monsieur Vincent Lenon, que j'avais invité, mais qui s'est excusé. Monsieur le conseiller général, monsieur Bernard Pion. Et également, mais je ne sais pas pourquoi, M. Pierre Reynard, notre président de la Ligue de billard Nord-Pas-de-Calais, que j'avais également invité, ainsi que le président du comité départemental de billard du Nord, M. Luc Picot. Donc ce sont... Excusez. M. le président du comité départemental de billard du Pas-de-Calais, M. Legrand, M. Francis Legrand. Il était représenté par M. Francis Lheureux, mais qui malheureusement devait nous rejoindre puisqu'il faisait partie de l'équipe de billard de Calais, mais qui a été hospitalisé vendredi dernier et remplacé par un Brésilien à la dernière minute. Il a quand même voulu nous apporter une coupe que nous remettrons tout à l'heure à l'un de vous. Voilà, donc si vous voulez bien, messieurs les adjoints, nous allons au moins vous dire quelques mots tout de suite. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Avec Georges Esquiveur, le grand argentier de la municipalité, voilà, à mes côtés, nous sommes très heureux, voilà, de venir vous saluer. Et puis, nous sommes très admiratifs, voilà, à la fois du nombre de compétiteurs ici présents. Je vois qu'il y a à la fois des dames très élégantes, de la jeunesse aussi, j'ai repéré. Et puis, bien sûr, voilà, l'association du billard club du Touquet avec sa tenue absolument exemplaire, hein, qui est voilà, à l'effigie, vraiment il y a l'image de ce qu'on cherche à avoir au Touquet, de l'élégance, voilà, de la prestation, parce que nous souhaitons être voilà, vraiment une station et une ville toujours à la hauteur, à la fois sur le plan bien sûr de notre environnement, mais également de notre dynamisme à travers nos associations, ce que vous incarnez, président Jean Loubet, donc je vous félicite, parce que je crois que vous avez vraiment à cœur d'être dans ce tempo-là. La salle ici, bien sûr, c'est une salle où nous sommes heureux de mettre à votre disposition parce que vous la respectez parfaitement, vous l'incrémentez cette année avec c'est très important. Bravo, président. Félicité, effectivement. Voilà, c'est exceptionnel. Et puis, on m'a glissé à l'oreille qu'à l'issue d'une compétition ardemment disputée, avec un suspense total, le Touquet l'emporte. Alors, c'est d'une très grande fierté. Voilà, c'est la plus belle des récompenses, c'est quand même la victoire, mais une victoire qui se fait en parfaite harmonie avec le respect de l'ensemble des compétiteurs. Je crois que toutes nos félicitations vont au Billard Club, à votre association et au président qui fait un travail formidable. Et puis j'espère qu'il y aura d'autres très belles compétitions, j'en suis sûr. Et puis longue vie à votre association, en tout cas, on vous souhaite les bienvenus pour une prochaine vidéo Touquet, parce que l'association fait tout pour cela, et vraiment c'est une très très belle association aux côtés des 50 autres associations sportives de la ville du Touquet. Merci. Ah, pour apprécier l'éclairage, pendant 10 secondes, monsieur Anglard, on appelle tout ça. Voilà donc l'éclairage discret sur les tables de billard, qui ont bien entendu servi, c'est-à-dire la table 1, 2, 3 et 4. La 2 n'étant pas allumée, pas encore, ça va venir. Voilà. Absolument autant réglementaire, avec l'éclairage centaine de lumières. Voilà. En même temps, on fait quelques petites économies d'éclairage pour les lampadaires. Arrêtez. Voilà, merci. Bon, alors, on va procéder un petit peu.